Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur l'horoscope 2024 pour le signe des Gémeaux. Comme pour tous les signes zodiaques, donc je vais faire un horoscope complet des trois décans, donc premier, deuxième et troisième décan du signe donc des Gémeaux en l'occurrence. Je rappelle à chaque fois que c'est un horoscope solaire, donc c'est-à-dire général, hein, on se base que sur le soleil de naissance, donc soleil en Gémeaux en l'occurrence pour cette vidéo. Mais on sait qu'un thème astrologique, voilà, il y a toutes les autres planètes et chaque thème est personnalisé en fait. Donc vous avez chacun un thème personnalisé. Donc normalement, il faut faire ce qu'on appelle un horoscope personnalisé. Là, c'est un horoscope général ou solaire. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Voilà pour le petit rappel. Donc on va commencer par le premier décan. Donc ce sont les natifs nés du 22 mai au 31 mai. Ensuite, je ferai les deuxièmes décans et natifs nés du 1er juin au 11 juin, et enfin les troisièmes décans du 12 juin au 22 juin, en moyenne. Selon les années, parce que selon les années que vous êtes nés, il y a des années bissextiles, donc le soleil n'est pas forcément à cette période-là, au premier ou deuxième ou troisième décan. Donc ça peut être décalé d'un, deux, voire trois jours maximum dans chaque signe, enfin, dans chaque décan. Voilà. Donc on va commencer par le premier décan. Alors donc les natifs premier décan donc du signe des Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc vous aurez le soleil, votre soleil qui sera trigone à Pluton en Verseau du 22 janvier au 1er septembre et du 20 novembre au 31 décembre 2024. Donc c'est un aspect plutôt positif, hein, donc aspect de régénération, de transformation positive, donc de votre on va dire de votre être intérieur. Donc c'est comme un renouveau en fait que vous êtes en train de vivre. Alors faut voir après dans quel domaine de vie ça peut être. Ça peut être au niveau professionnel, familial, au niveau de la santé, ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être. Alors ça c'est en fonction de votre thème personnel. Donc c'est un transit important parce qu'il n'arrive pas tous les jours. Comme vous êtes comme Pluton, enfin est arrivé en Verseau en mars 2023, donc vous avez pu avoir déjà les prémices de l'influence de Pluton. Mais c'est vraiment pour les tout débuts du premier décan du signe des Gémeaux. Donc je dirais ceux qui sont nés vraiment en début de signe, hein, à deux jours près, quoi. Donc ceux qui sont nés à peu près au 21, 22, 23 mai à peu près. Après les autres, on va dire que c'est un peu plus loin, ce sera peut-être pour l'année prochaine, éventuellement. Mais là, voilà, c'est plutôt vraiment pour ceux du début du signe qui seront impactés. Ils verront un changement vraiment positif. Ça peut être un renouveau avec un homme, une autorité, un père, un mari, que sais-je. Ou pour vous-même, donc voilà, quelque chose de très très régénérant, très transformateur et très puissant. Donc forcément avec Pluton, ça se fait enfin, subtilement, hein, c'est des changements qui sont imperceptibles à l'œil nu, hein, vu que c'est une planète qui est très très lente, elle met plusieurs années à progresser dans le zodiaque, dans un signe. Donc là, en l'occurrence, c'est dans le signe du Verseau, donc il peut y avoir un rapport comme vous, signe d'air, le Gémeaux, Verseau, donc des signes très communicatifs dans les échanges, signes humains. Donc il peut y avoir des renouveaux dans tous ces domaines de vie, avec des relations, des nouveaux amis par exemple, des nouvelles façons de voir les choses, nouvelles communications, enfin, etc. Donc à voir après selon votre thème. Et ça, par contre, il faudrait voir en détail avec votre thème personnel. Ensuite, vous avez le soleil, votre soleil qui sera carré à Saturne en poisson du 1er janvier au 1er mars. Donc là, pendant les trois premiers mois de l'année, je dirais que ce sera plutôt par contre, une période un peu de frustration, un peu compliquée sur un plan, on va dire. Alors c'est pareil, après c'est au niveau énergétique, donc après il faut voir dans quel domaine de vie ça peut tomber, mais avec Saturne, il peut y avoir un rapport avec le travail, par exemple, ou un rapport où on veut construire des choses, mettre en place des choses. Mais ça ne se fait pas, donc il y a une notion de frustration, de blocage. Donc on est un peu empêché. En poisson, ça peut être en rapport avec nos idéaux, nos rêves. Peut-être il y a des choses là qui ont besoin de temps, de maturation pour se mettre en place. Et donc c'est pas trop le moment. Donc c'est vrai que là actuellement, on peut être par exemple frustré par rapport avec un homme, un mari, un père, une autorité. Donc il peut y avoir un rapport assez dur, un rapport assez conflictuel, enfin plutôt rigide. Un manque, ça peut être un manque, une fin de relation par exemple, ou on perd d'un parent, d'un homme, de quelqu'un qu'on connaît. Alors faire attention aussi peut-être à sa santé, ça peut être un rapport avec ça peut être un rapport avec des finances. Il peut y avoir des privations par exemple. Donc voilà, il y a une notion de manque et de privation avec Saturne. Donc là, il faut voir après dans quelle maison tout cela tombe. Ensuite, il y a Soleil conjoint Jupiter en Gémeaux, donc votre signe, donc du 26 mai au 9 juillet.
Donc ça, c'est vraiment positif pour la croissance, pour établir des contacts. Jupiter en Gémeaux, alors Jupiter est en exil dans ce signe. Alors, il y a beaucoup de dispersions qui peuvent avoir lieu, donc faire attention, hein. Le Gémeaux est un signe qui a tendance à s'éparpiller un peu facilement. Donc attention de ne pas être trop dans les échanges surabondants. Hein. Jupiter en Gémeaux, on parle beaucoup, on parle même trop. Donc attention à ce qu'on peut dire, roulez cette fois votre... Cette fois, sa langue dans sa bouche, comme on dit, avant de sortir certaines choses que vous pouvez après peut-être le pas le regretter, mais ça peut jouer à votre désavantage. Donc, à voir. Hein. Attention de ne pas être trop suffisant, trop confiant, trop comment dire, trop saoulant dans le pire des cas. Hein. Si on parle de trop, ça peut saouler un hein, Gémeaux, moulin à parole. Donc bon. Après, voilà, ça dépend forcément du thème de chacun. Hein. Enfin, tout le monde n'est pas forcément loquace. Extrêmement, même si vous êtes Gémeaux, il y a des Gémeaux qui sont très très calmes. Donc après voilà, faut voir le thème en général. Mais cet aspect-là donne beaucoup de d'aisance. Donc on peut avoir des gratifications, mais attention, pas être trop vaniteux, orgueilleux aussi à cette époque-là. Donc selon encore une fois votre thème. Ensuite, il y a le Soleil sextile le Nord en Bélier du 25 juillet au 31 décembre. Donc là, c'est plutôt positif pour votre évolution personnelle sur un plan, on va dire, cheminement spirituel, karmique. Donc ça peut donner une avancée sur vos actions, vos initiatives, sur certaines choses que vous voulez entreprendre en bélier, des nouveaux départs. Donc il peut y avoir quelque chose d'intéressant à partir de cette période, donc deuxième semestre de l'année. Ensuite, vous avez le Soleil Trigone Lune Noire en Balance du 30 juin au 27 septembre. Donc là c'est positif pour pareil pour les relations. Notamment comment dire, les compromis, la diplomatie pour les relations de couple, vouloir rechercher l'autre. Donc il y a peut-être une notion de réparation dans les échanges à travers le couple, à travers les contrats, des associations aussi. Donc à voir, hein, selon le thème encore de chacun, là ça reste très général. C'est un aspect de génération, on va dire, sur le point de vue relationnel, de manière générale. Ensuite, il y a Soleil quinconce Mars en Capricorne du 5 au 18 janvier. Donc là, c'est pareil, c'est mineur, on va dire. Attention à la petite tension nerveuse, peut-être dans le travail, peut-être un peu fatigué après les fêtes, ou voilà, des choses comme ça. Donc ça peut donner un peu d'agressivité, de tension. Mais c'est léger. Ensuite, vous avez Soleil Trigone Mars en Verseau du 14 au 27 février. Donc là, c'est plutôt positif, donc bonne énergie à mettre au profit de groupes au niveau de l'action, des réformes, de tout ce qui a rapport avec un collectif. Donc ça peut être pour des idées avant-gardistes aussi, donc ça peut être bien pour mettre cette énergie à contribution, donc par certaines idées par exemple. Ensuite, Soleil carré Mars en Poisson du 23 mars au 5 avril. Donc là, en revanche, attention à la tension, encore une fois, à l'agressivité, au conflit. Hein, ça peut être des problèmes de compréhension, de malentendus aussi. Donc ça aura lieu du 23 mars au 5 avril. Donc faut voilà, garder vos nerfs. Ensuite, Soleil sextile Mars en Bélier du 1er au 14 mai. Donc là, c'est plutôt positif pour l'action pure, donc vraiment pour agir dans quelques domaines que ce soit. Donc utiliser cette énergie à bon escient et de manière positive pour arriver à établir vos actions. Ensuite, vous avez Soleil conjoint Mars en Gémeaux du 21 juillet au 4 août. Donc là, c'est plutôt un aspect, je dirais, plus ou moins bon. Hein. C'est une conjonction, ça dépend des aspects qu'elle reçoit en plus. Donc ça donne quand même de l'énergie, beaucoup d'action, comment dire, vous agissez en fonction de vos idées hein, en Gémeaux. Donc beaucoup d'actions réfléchies, on va dire, d'actions intelligentes. Très très loquace, très perspicace. Donc du 21 juillet au 4 août, donc un été où vous allez peut-être agir un peu dans tous les sens avec des idées ingénieuses. Donc voilà, c'est même pour les échanges, la communication, les déplacements, là c'est assez positif. Ensuite, Soleil sextile Mars en Lion du 5 novembre au 31 décembre. Donc là, encore une fois, une très bonne énergie pour agir en fonction de ce qui vous tient à cœur, de vos amours par exemple, de vos voilà, des choses qui sont importantes pour vous. Donc il peut y avoir voilà, une bonne énergie qui circule à ce moment-là. Donc voilà ce que je peux dire pour le premier décan donc du signe des Gémeaux. Alors ensuite on va parler donc du deuxième décan du signe des Gémeaux.
Alors, vous, qu'est-ce que vous aurez? Donc, vous aurez le Soleil carré Saturne en Poisson du 2 mars au 31 décembre. Donc, ça crée, comme j'ai dit pour le premier des camps, des frustrations, des blocages. Donc, ça peut être en rapport avec un homme, un père, un mari, une autorité, que sais-je. En vous-même aussi, il peut y avoir des choses qui ne se mettent pas en place à ce moment-là et ça vous frustre. Donc, il faut patienter, malheureusement, avec un carré de Saturne, c'est jamais facile. C'est un aspect un peu de dureté, de blocage assez difficile. Donc, c'est vrai que pendant cette année, vous risquez d'avoir pas mal de frustration. Donc, prendre son mal en patience, je dirais. Et voilà, il faut attendre, malheureusement, avec Saturne, c'est une notion d'attente de temps, là. Donc, il peut y avoir des échanges qui ne se font pas, des déplacements, ça peut être dans le travail, ça peut être des problèmes de rapport avec l'autorité, ça peut être des fins de situation, des fins de relation aussi, dans le pire des cas. Donc, voilà, après avoir selon le thème de chacun. Ensuite, vous avez le Soleil conjoint à Jupiter en Gémeaux du 10 juillet au 31 décembre. Donc, ça, c'est plutôt positif de manière générale. Ça donne de la gratitude, des opportunités, de l'épanouissement. Vous vous sentez très enjoué, vous avez envie de parler, de communiquer, même peut-être un peu beaucoup. Hein, faut voir selon les aspects. Mais dans le pire des cas, voilà, attention de ne pas trop parler, de pas de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire certaines choses, parce que vous pouvez aussi, ça peut jouer contre vous. Donc faites un peu attention à ce que vous dites parfois et pas trop saouler son entourage. Dans le pire des cas, sinon voilà, beaucoup d'honneur et d'opportunités, donc attention aussi de ne pas être trop vaniteux et orgueilleux aussi, de ne pas trop en faire. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Capricorne du 18 au 31 janvier, donc au début d'année là où vous pouvez être un peu en tension, peut-être au niveau du travail, au niveau de certaines actions à entreprendre, peut y avoir une légère friction, alors c'est pas fort, c'est un quinconce, mais voilà. Faites un peu attention à ce que vous pouvez mettre en place. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Verseau du 27 février au 10 mars. Donc là, en revanche, plutôt une bonne énergie à mettre en contribution pour des groupes, des associations, de la collectivité ou des idées que vous avez, des idées novatrices, avant-gardistes. Hein. Cinder, donc Gémeaux Verseau, beaucoup d'idées, beaucoup d'ingéniosité dans le meilleur des cas. Donc, vous pouvez agir voilà, pour des amis, pour pas mal de choses intéressantes. Donc, n'hésitez pas à faire ce que vous avez envie de faire, parce que là, vous êtes bien aidé. Ensuite, Soleil carré Mars en Poisson du 5 au 17 avril. Là, en revanche, faites attention, parce que c'est un aspect plutôt de tension. Donc là, on peut être plutôt sur les nerfs, être agressif, être dans la conflictuée, dans les conflits, les querelles. Donc attention, on peut être dans des problèmes de mésentente, hein, peut-être pour des questions d'idéaux. Il y a peut-être de la mauvaise compréhension en poisson, ces gémeaux, c'est pas des signes qui sont très, comment dire, très facilitants, qui sont pas très harmonieux, hein. C'est des signes qui sont pas trop complémentaires de manière générale, donc hein, il peut y avoir des problèmes de compréhension à ce moment-là. Ensuite, Soleil sextile Mars en Bélier du 14 au 26 mai. Donc là, c'est une énergie plutôt positive à nouveau. Donc pour établir quelque action que ce soit, donc n'hésitez pas à utiliser cette énergie pour le sport, pour affirmer vos idées, que sais-je. Enfin voilà, une bonne énergie qui circule à ce moment-là. Soleil conjoint Mars en Gémeaux du 5 au 19 août, donc dans votre signe. Donc là, bonne énergie. Encore une fois, on peut mettre en pratique ses idées. Hein, beaucoup d'idées à mettre sur le papier. On agit en fonction de pas mal de réflexions. Donc c'est comme vous êtes un signe cérébral, le Gémeaux, il y a beaucoup de choses que vous pouvez agir facilement à ce moment-là par rapport à tout ce qui vous porte intérêt. Ensuite, vous avez le Soleil carré Lune noire en Vierge du 1er janvier au 31 mars. Donc là, ça peut être en revanche peut-être des manques, des tensions, comment on pourrait dire, il peut y avoir un aspect un peu de dépréciation, on se sent pas trop bien, on va dire, il y a un problème comment dire, au niveau des détails, la Vierge, donc il y a une notion peut-être de service, de choses à revoir dans le travail, dans les services. Qui peut poser problème, par exemple avec une autorité au travail, par exemple, il peut y avoir un aspect un peu karmique à ce moment-là, de relation travail-autorité ou dans le quotidien pour certaines tâches, il y a des choses qui vont pas, peut-être des choses à revoir à ce moment-là. Ensuite, Soleil Trigone Lune Noire en Balance du 30 juin au 27 septembre, là en revanche plutôt positif
pour l'harmonie, pour mettre en place des relations d'échange, de compromis, dans le couple par exemple, ou dans des contrats. Donc il peut y avoir des réparations qui se font. Alors ça parle au niveau de l'âme, mais ça peut être aussi dans divers aspects de votre vie. Donc après, voir le thème de chacun, mais voilà, un aspect assez positif. Soleil sextile de Nord en Bélier, positif également, du 18 janvier au 24 juillet. Donc là, une avancée au niveau de votre évolution de vie. Donc tout ce que vous ferez peut avoir un impact important dans votre cheminement spirituel ou même matériel. Donc à voir en fonction du thème de chacun ce qui peut être important à ce moment-là. Et Soleil sextile Chiron en Bélier du 1er janvier au 18 avril et du 14 novembre au 31 décembre. Donc là, il peut y avoir une réparation, quelque chose d'important sur le plan de la santé, ou alors au niveau moral, au niveau énergétique. Il peut y avoir quelque chose pour réparer certaines blessures. On se sent plus comment dire, en adéquation avec certaines valeurs, avec nos principes. Il peut y avoir une réparation de manière symbolique, on pourrait dire, sans que ce soit quelque chose de très physique. Hein. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose d'important. On peut voilà, faire. Peut s'affirmer et ça peut vous, comment dire, vous combler. Donc voilà ce que je peux dire pour deuxième décan donc du signe des Gémeaux. Alors enfin, j'ai parlé du troisième décan du signe des Gémeaux. Alors vous aurez donc votre Soleil qui sera quinconce à Pluton en Capricorne du 1er au 21 janvier et du 2 septembre au 19 novembre. Donc là, ça donne un aspect, on va dire, mineur. Donc une légère, vous allez sentir une légère un changement dans votre personnalité, ça peut être en rapport avec une autorité, un père, un homme, un mari. Donc il peut y avoir des changements à ce niveau-là, mais qui sont minimes, qui sont pas très puissants, mais qui peuvent avoir un rôle à jouer durant ces années. Alors vous allez déjà le sentir, vous avez même dû le sentir un petit peu en début d'année, mais c'est vraiment léger. Comme un changement qui doit s'opérer en vous, donc à voir selon les années, mais c'est vraiment pour le début du troisième décan, donc ceux qui sont entre on va dire, 12, 13, voire 11 juin à peu près, mais pas plus. Donc à suivre, hein, là il faut consulter un astrologue pour voir plus en détail dans quel domaine de vie ça peut avoir un impact. Vous avez ensuite le Soleil qui sera carré à Neptune toute l'année. Alors là, attention, désillusion, aux illusions, aux tromperies. Attention à ce que vous imaginez, en fait, il peut y avoir beaucoup de fantasmes, beaucoup de choses qui ne sont pas la vérité, en fait, qui ne sont pas la réalité. On a tendance à se tromper dans ce qu'on croit, dans les idées qu'on peut avoir, dans ce qu'on peut imaginer aussi, par exemple, la vision d'un homme, d'un mari, d'une autorité, de quelqu'un, d'un père. Il peut y avoir des déceptions à ce niveau-là. Ça peut être voilà une fuite en avant, ça peut être attention à ne pas sombrer par exemple dans tout ce qui est alcoolisme aussi, dans les boissons par exemple, c'est pas trop conseillé, les drogues, les choses comme ça. Donc après voilà, à voir selon votre thème, mais restez bien les pieds sur terre ancrés et vérifiez bien ce que vous pouvez penser, imaginer, parce qu'on peut se tromper et être dans une erreur de jugement en fait, hein, donc attention. Ensuite, vous avez Soleil conjoint Jupiter en Gémeaux du 11 septembre au 6 novembre. Donc là, ça peut être plus ou moins positif selon les aspects que reçoit cet aspect. Donc on va dire que de manière générale, vous avez un aspect de croissance, vous êtes plus dans le côté insouciant, optimiste, beaucoup d'échanges, Jupiter en Gémeaux, vous êtes très loquace, beaucoup de bavardage. Alors attention à ce que vous pouvez dire aussi, hein, comme j'ai dit pour les deux autres décans, donc tenir bien tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, parce qu'on peut, là, à ce moment-là, avoir beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui fourmillent en vous, vous avez besoin de partager, d'échanger, mais parfois ça peut être contre vous, donc attention à ne pas être trop suffisant, trop, voilà, trop vaniteux, puis avoir un aspect d'être trop confiant en soi aussi, avec cet aspect-là. Donc, à voir encore une fois selon le thème de chacun. Ensuite, vous avez le Soleil opposé Mars en Sagittaire du 1er au 4 janvier. Donc là, c'est juste après les fêtes, donc pendant 4 jours, là, en début d'année. Donc ça peut être un peu la gueule de bois, là. Il y a besoin comment dire, peut-être de dépenses à faire, de se dépenser, faire du sport, pourquoi pas. Mais attention à l'agressivité. Donc ce serait plutôt bien pour utiliser cette énergie-là dans ce domaine-là, mais attention à vos justement à ce moment-là de pas vous faire mal, de pas vous
de vous, comment dire, de forcer. Ça peut être le Sagittaire, par exemple, c'est les cuisses, donc attention, par exemple, si vous faites du sport, de ne pas flammer vos muscles de cuisses, par exemple, c'est un exemple. Mais pas que, ça peut être des disputes, ça peut être des. On peut se blesser, on peut avoir un accident dans le pire des cas dans les déplacements. Gémeaux Sagittaire. Donc attention à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire, en fait, ne pas rentrer dans des querelles, en fait. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Capricorne du 1er au 13 février. Donc là, une légère tension, encore une fois, alors peut-être plus dans le domaine des buts à vouloir atteindre. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans d'autres domaines. Mais on peut être un peu énervé, légèrement. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas fort. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Verseau du 11 au 22 mars. Donc là, c'est plutôt positif. Donc beaucoup d'actions à mener. Peut-être utiliser votre énergie dans un domaine collectif, à but humanitaire, enfin collectif, espèce d'une association, des groupes, voilà, des choses comme ça où il y a qui peuvent être positifs à faire à ce moment-là. Ensuite, Soleil carré Mars en Poisson du 18 au 30 avril. Donc là, attention en revanche à l'agressivité, encore une fois aux querelles, il peut y avoir des mésententes, des incompréhensions, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein, le poisson, c'est un signe qui idéalise, qui rêve beaucoup, qui ne parle pas, qui est tout est dans le ressenti. Le gémeau, c'est plutôt le contraire. Un signe très cartésien, cérébral, concret, enfin, on va dire très, très, très loquace. Donc, ça peut créer une divergence. Divergence d'opinion, d'idées ou autre. Soleil sextile Mars en Bélier ensuite du 27 mai au 9 juin. Donc là, c'est plutôt positif pour agir de manière générale. Donc, beaucoup d'action, beaucoup d'énergie à mettre à contribution pour vos actions, pour tel ou tel domaine, selon votre thème. Donc là, n'hésitez pas à agir à ce moment-là, ça sera positif pour vous. Soleil conjoint Mars en Gémeaux du 20 août au 4 septembre. Donc là, c'est pareil, c'est un aspect plutôt mitigé, mais à la base plutôt positif, parce qu'on agit en fonction de ses idéaux, enfin de ses idées, pardon. Donc beaucoup d'idées qu'on peut mettre sur le papier, qu'on peut mettre en place concrètement dans vos actions. Et vous agissez avec beaucoup de méthode, de cérébralité, d'ingéniosité. Vous êtes malin. Donc, il y a des astuces que vous pouvez mettre en place facilement. Voilà, il y a des choses intelligentes à faire. Attention quand même de pas trop s'éparpiller aussi. Hein. Le Gémeaux a tendance à se disperser, s'éparpiller. Donc, attention de ne pas épuiser votre énergie dans plein de domaines que ce soit. Restez plutôt centré. Soleil sextile le Nord en Bélier du 1er au 17 janvier, donc là c'est plutôt positif pour votre évolution karmique, sur votre chemin de vie, on va dire, de manière spirituelle. Donc là il y a un côté qui peut être gratifiant, qui peut une avancée qui peut être intéressante, donc à suivre hein, selon le thème encore de chacun. Soleil carré Lune Noire en Vierge du 1er avril au 29 juin, donc là en revanche attention aux méthodes que vous utilisez, alors ça peut être dans le travail, dans votre quotidien, il peut y avoir des choses à revoir, faire des manques, on peut se sentir un peu. Comment dire, comme une ombre qui se met en face de nous, on est un peu obscurci, comme un manque, on se sent désapprécié, on se sent mal aimé, voire dans le pire des cas, il peut y avoir un problème de choses à combler, un manque à combler dans ces domaines-là. Donc à suivre, encore une fois, selon votre aspect, de votre thème. Ensuite, sur les trigones lune noire en balance du 27 au 31 décembre, donc là c'est plutôt positif en cette fin d'année pour combler les manques, des relations, alors signe d'air, hein, gémeaux balance, donc beaucoup de compromis à faire, peut-être dans les relations de couple qui peut être bien, des relations avec votre entourage, avec vos amis, qui peut combler un manque qui vous gratifie, qui vous fait te sentir bien. Et soleil sextile Chiron en bélier du 19 avril au 13 novembre, donc là c'est pareil. Pouvez soigner certaines blessures de l'âme. Il y a cette notion de guérir certaines choses au niveau spirituel, mais pas que dans les actions que vous pouvez mener. Donc à suivre ce que vous pouvez faire dans cette période-là, ce que ça peut vous valoir des gratifications personnelles et intérieures. Donc voilà, j'ai terminé donc pour les trois signes, enfin les trois décans du signe des Gémeaux, pardon. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour l'horoscope du signe du cancer pour 2024. Je vous remercie, au revoir.